Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis le professeur Bernard de l'Institut de... Voilà. Alors, j'aimerais vous parler d'un de nos produits vedettes hein, qui fait fureur sur la planète, hein, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et pour cause. Voilà, vous avez un champ traité au glyphosate et un champ qui n'a pas été traité au glyphosate. Voilà, donc je crois que c'est clair, hein. Les gens ont toute une polémique. Bon, enfin, là, vous avez de l'herbe, des bêtes, des limaces, des mouches, des moustiques, des cafards, des escargots qui bavent, des vers de terre qui marchent sur leur ventre, c'est dégueulasse. Et là, plus rien. Juste la terre. Je crois que le constat est bon, hein. Et bon, et il y a un moment, bon, bah, héros, hein. Non, c'est quand même plus joli, hein. Allez, voilà. Plus de soucis, plus rien. De la terre. Et rien d'autre. Et bon, je crois qu'il y a un moment, bon, ben quand même, hein, bon, ben, oh, nickel, propre, impec. Bon, c'est bien compris, si vous voulez, donc un jardin, glyphosate. Si vous y allez, Roundup. Oh là, t'as pas de fourmi qui vient, hein. La mère, là, elle est séchée direct, hein. T'as pas une libellule de merde, une abeille à la con qui vient de piquer dans le glyphosate. Nickel. Une coccinelle, une araignée. Un ver de terre, non mais ça sert à quoi? Ils sont cons les gens. Si, y en a qui les défendent, je te jure. Ils sont cons les gens. Oh, tu peux m'enlever cette photo là, ça me donne envie de vomir là, toute cette verdure, tous ces insectes.